Bonjour et bon réveil chez vous. Tout d'abord, formation 5 bons points ici du côté M23 sur l'île de France. Près des limites à Territoire des Calais sont tombés à Minoa dans les territoires des Calais. Qui dit en début d'après-midi qui Baba et son petit-fils Kandolo sur l'avenir route d'Aouba Minova. Formation confirmée par le président du cadre des concerts. De la société civile des Calais des prochaines éditions d'information. Mesdames, Messieurs, c'est le journal de du prochain président de la nationale, ces derniers, ainsi que les autres candidats aux différents postes du bureau de la Chambre basse du Parlement, déposent sa candidature. Hier, on y revient dans ce journal. L'élan des solidarités aux victimes des attaques de l'armée dans les territoires dans l'agence du Nord qui ne vous faiblit pas. Une autre assistance gouvernementale avec l'accompagnement du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et des crimes liés aux conflits armés Fonarev est arrivé hier à Goma, province du Nord qui vous. Nous irons sur place pour faire les constats. Bienvenue à toutes et à tous. Du président de l'Assemblée nationale sans équipe d'administration au bureau de cette projet de l'exercice démocratique entre candidats, les dossiers des candidats ont été déposés auprès de l'administration de la Chambre de basse, notamment les candidats. Du provisoire, l'Assemblée nationale s'achemine vers la constitution de son bureau définitif prévu pour ce week-end. Dans l'entretemps, les ambitions s'expriment à travers le mécanisme de dépôt des candidatures aux 7 postes. Si à la présidence, Vital Kamerhe est connu, la première vice-présidence est convoitée par le professeur Jean-Claude Tchulumbaï. La deuxième vice-présidence des personnalités comme Antipas Moussa Niamsi et Christophe Osoko Diapuanga. Au niveau des rapporteurs, rapporteurs adjoints et adjoints, on signale Constantin Moura, Jacques Joly, Princesse Dominique Mounongo pour l'opposition, Grâce Néma et Dédé Passa. Je tiens d'abord à remercier tous les députés nationaux qui m'avaient fait confiance lors des primaires. Mais je remercie aussi le président de la République qui est l'autorité d'eau sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté et sa voix, ses libérateurs, ses cris de détresse seront relayés par les honorables députés. Ce sera un véritable temple de ces l'unité de nous avons demandé à notre poids politique et face à ça, que nous avons aussi la représentativité géopolitique. C'est la raison pour laquelle c'est le poste de la question. Parce que nous avons ignoré que le ticket officiel de l'Union sacrée posait des problèmes par rapport au nom des deux provinces. Sur demande, plus de 300 députés nationaux. Nous avons la jeunesse en réclame. Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, possible au niveau des sports adjoints. Les prochaines étapes seront la campagne électorale, l'affiche des listes définitives et présentation des programmes des candidats avant l'élection proprement dite le 18 mai 2024. Ils seront définitivement à la Chambre l'affirmation à la Cour constitutionnelle. Les secteurs nouvellement élus ont rempli les formalités administratives, l'étape de l'identification et le avec Christian Taco
Les palais 11 au 12 mai 2020, il y a des rendez-vous des sénateurs nouvelles qui ont procédé à leur identification et enregistrement administratif. Ces actions permettent aux sénateurs d'obtenir des cartes provisoires en attendant la publication des résultats définitifs de l'élection sénatoriale par la Cour constitutionnelle. Cette quatrième législature de la Troisième République se voit renouvelée de plus de 60% des sénateurs qui vont siéger les 5 prochaines années dans l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement congolais. À la mesure de la confiance qui est donnée par les grands députés provinciaux, nous avons pris l'engagement de servir en tenant compte de l'intérêt majeur de cette province du Haut-Katanga, mais de la République démocratique du Congo général. Quand on regarde le pays, il fonctionne aujourd'hui, son état, on se rend compte qu'il y a un travail dans le sens de la législation. Socialiser. Les défis sont énormes, les questions sécuritaires, les infrastructures, la santé, l'éducation, l'environnement. Nous savons que la tâche n'est pas facile, mais nous allons nous y aller rapidement. On prie Dieu pour que nous puissions apporter un plus au changement de nos territoires pour le développement de toute la République par le travail que nous allons faire. La mise en application des lois conformément aux arts de la population. C'est ça que je te gouvernement accepte de subir les règles des idiots. Maintenant, nous sommes là pour appliquer la mise pratique, voir si ce qui nous est dit, qui nous est raconté est vrai, si c'est bon, ou si c'est utile pour le pays. Pour moi, qui était gouverneur, c'est la continuité de la mise en application de la centralisation de la compte plus. Sur les 108 membres qui comptent les Sénats, 84 ont été déclarés plusieurs fois le 30 avril dernier par la Commission électorale nationale indépendante. Soit 24 seront pourvus après la tenue de l'élection sénatoriale des provinces du Kwilu, Ituri, Nord Kivu, Nord Ubangi, Ndombe. Autre chose, ça a accueilli rendez-vous du monde des filles du Cherci. Tax Massolo s'est penché sur la question comment améliorer la mobilisation des questions assises sur les thèmes influencés. La loi fiscale congolaise d'autres détails avec la question de la question de la question. Toutes les questions ne peignent pas au forum d'hier. Tax Massolo placé sous le thème influencer la loi fiscale organisée par le cabinet du KPMG en partenariat avec l'ONEC, la FEC, le service d'assiette, la DGI, la DGRAD et la DGD. Ce forum se veut un cadre excellent d'échange pour apporter des changements susceptibles d'améliorer le système fiscal congolais. Le dialogue Tax Massolo est né du souci de voir rationaliser la collecte des restes de l'État. Il y a 29 régies financières, c'est un peu trop. Les hommes d'affaires s'emblaignent, cette multitude de collectes. Qu'est-ce qu'on peut poser à l'État pour essayer d'améliorer la situation? DGI, le 13 mai, permettra de faire un état lieu sur la collecte des recettes. Le mot de circonstance. Le DG Mwakadi Mwamba a été lu par le directeur de communication Goma Mavu. Jour, ainsi que présentation notamment celle relative au KPMG, un réseau mondial multidisciplinaire.
J'en parlais dans les titres et le geste est violagé. Les victimes des attaques de l'armée rwandaise dans les camps de Mugunga, ville de Goma, province Nord Kivu, une instance gouvernementale avec la arrivée sur place. Cette papier de Naïcha Kialamila à travers ses commentaires. L'ambiance est lourde, l'émotion est bien plus forte pour ces personnes qui viennent de perdre leurs proches lors du dernier bombardement des Mugunga. Ces victimes avec cœur meurtri reçoivent l'assistance du gouvernement demain de la délégation gouvernementale mission de réconfort à Goma, province du Nord Kivu. Une remise symbolique qui témoigne de la compassion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envers la population en détresse. Le Congo est écrasé comme des cafards, ça ne nous veut pas. Aujourd'hui, non seulement on a un président sensible et compatissant, mais nous avons aussi une première dame qui est très sensible. Répondre aux besoins urgents des victimes, la tâche est aussi celle assignée au Fonarev, au-delà de sa classique mission de réparation déjà définie, a marqué Lucien Lundula Lolati, directeur général. Je me suis engagé auprès du pour vous accueillir fidèlement dans votre réhabilitation et apporter un tel soutien que nous allons faire ce mouvement. Ces abris et produits des prêtrités apportent sous la mais les attentes sont nombreuses. Il est perdu dans le bombardement. Merci pour ce que les Fonarev nous apportent aujourd'hui et nous prions de ne pas nous laisser. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, notre plus grand souhait est qu'on nous aide à rentrer chez nous. Mon fils a 21 ans et celui qui m'aidait. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais. Oh, na kosa man. Na kichele konani lum. Après la rise symbolique, la distribution sur les terrains sera assurée par l'autorité provinciale. Plus jamais seul, mieux qu'un slogan, c'est l'angle qui oriente. Et des crimes contre la sécurité de l'humanité. Autre assistance est celle de la Caisse de solidarité pour les victimes de la République du Congo, initiative de la ministre du Genre et Famille, Mirsa Ngoubibi, à travers commentaire. Il s'agit d'un lot important de enfants, femmes et cultures, ainsi que quelques produits de consommation courante. Kinshasa récolte les cadres de la Caisse des solidarités aux victimes de l'Est, initiée par la ministre de l'Enfant et de la Famille, Reyma Sabibi Moulouko. Dès le mois de mars dernier, ont été réceptionnés par le gouverneur de la Caisse des solidarités, genre et vision, genre du Nord Kivu. Avant la distribution proprement dite, les femmes et jeunes volontaires ont procédé au colisage, posage et acheminement d'assistance dans les camps déplacés de Zolo dans la ville de Goma et ses environs. La remise officielle de bénéfice province du genre, en présence plusieurs notabilités de la province, de la délégation venue de Kinshasa, des partenaires financiers et techniques du genre, famille et enfants, et des responsables locaux des structures de la société du Nord. Des victimes de l'agression imposée par le Rwanda ont bénéficié de cette assistance. Par ailleurs, la délégation de Kinshasa a été conduite par Gauthier Louyala, directeur chef des services vision et la protection des femmes, assistées notamment et la religieuse Charo.
santé à présent, l'on parle d'une situation sociale précaire au département de l'hôpital général des références de Kinshasa. Maman et moi, infirmiers et bon syndicat autour d'une table pour examiner la suspension des deux délais à la base d'une revendication du sujet à travers ces commentaires des bobos à Nkoumokondi. Des syndicats du hospitalier universitaire ex-mama pour réfléchir sur le voisin moyen de répondre à la situation salariale précaire des infirmiers du département des réfugiés et de suspension des doctorats écartés pour avoir réclamé ce qui leur revenait des droits. Plus notamment le président Céline de l'Ordre des infirmiers qui s'est appesanti, entre autres, sur l'amélioration des salariés agents. Une déclaration en marge de cette séance de travail. Voici ce que nous disons. Le manque de transparence en ce qui concerne la souffrance des infirmiers au bénéfice des autres. Vite tout ce qui précède. Nous demandons à son excellence de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de bon fonctionnement des institutions, de trouver une solution pour notre problème, nous donnant les nouvelles autorités qui seront partiales. Les recommandations issues des travaux seront transmises aux autorités compétentes pour des réponses appropriées. Une fois réintégrée au centre de la communauté, les délinquants urbains sera accompagné par une couverture sociale. Le G20 que dirige Jean-Marie Lukula Simambaye et Matenaria pour une réinsertion sociale totale. Encore 5 années de pur bonheur pour les abonnés de l'ISUI à travers G24. Ce contrat avant-gardiste de la couverture sociale signé entre le G24, l'honorable Jean-Marie Lukula Simambaye et le Rio Lissungi Henri Brown, il y a quelques années, a permis de prendre en charge près de 20 personnes, femmes et enfants, jeunes et vieux. Nous venons de renouveler le contrat avec M. Henri Brown, mais un contrat signé maintenant en franc-congolais. On a passé 4 ans ensemble, ils ont fait du bon boulot. On a constaté l'appel d'air de beaucoup de jeunes volontaires qui ont rejoint G24. Dans ce propos, il a semblé bon de renouveler, en tous les cas d'apporter un avenant au contrat que nous avons déjà avec notre partenaire de Zouli, ce contrat qui vise à passer de 20 000 abonnés actuellement à 50, voire 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. La vision du chef de l'État qui veut privilégier, tout le qui veut soutenir, faire de notre abonné une montre. Réellement tient compte, entre autres, de la fixation du coût en congolais pour plus d'appropriation des populations plus. Entre les deux partenaires se veut le gage de l'activité du contrat. On a décidé ensemble aujourd'hui que ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on travaille sur le franc congolais, sur le dollar. Comme ça, nous allons dans l'esprit de la politique président. Avec cette expérience déjà acquise de 3 ans et demi durant, les populations bénéficiaires disposant des cartes de membres verront leur nombre augmenter. En rouge a célébré la semaine dernière. Dans le Haut-Ouélé, plusieurs activités ont été organisées ici en présence de la RTNC ici nous ont fait les récits. C'est une cérémonie du mai des chacunes 48 heures après, dédiée au 160e anniversaire de la croix. Du croissant rouge en couleur qui se déroule au siège des branches provinciales du Haut-Ouélé devant une branchette d'un de tout bord. Différentes exhibitions allant du défilé des volontaires venus de tous les lois à leur service aussi fondamentaux, à passer par le Sénat, tout était au rendez-vous. À la tribune, d'abord ce discours présidentiel, le leader Koko Abomé fixe les contours d'événement. J'aide avec joie et la joie que je donne est une passe. Maintenir l'humanité en vie, c'est la mission à laquelle ça doit avec. Et voilà la
provincial du Haut-Togo. De Charlotte Néamoua, maire adjoint de la ville du Siro et de Gilbert Moncogne. De la Croix-Rouge au sein de la communauté. Un autre événement lors des célébrations, c'est la décoration du directeur provincial de la RTNC, professeur Damas Sessole Kessole Kaya, volontaire couriste de son état, qui s'est vu coller le guide d'encadreur, officier supérieur de la Croix-Rouge, sous les applaudissements de l'assistance. C'est une impression de faction, parce qu'il s'agit là du couronnement de beaucoup de phares avec abnégation dans le bénévolat. Fonds à très prix. Voici 24 ans. Je sais volumité dans les rangs des volontaires secouristes. Autre événement dès la semaine dernière, c'est la journée de la liberté où elle est pour revivre Kaété. Cette journée, ce portage de notre frère d'Amas Sessole Kessole Kaya de la RTN. Environnemental et urgence journalisme, la 31e journée mondiale de la liberté de la presse s'est aperçue dans le Haut-Touélé où assure professionnels au rendez-vous dans cette salle Maman Henriette. Tout a commencé par le mot d'orientation de la journée par le professeur Damas Sessole Kessole Kaya, sein du comité directeur INPC à Kinshasa et doyen des journalistes à Issou. Puis la série de communications par rapport au thème tour le ministre provincial de l'environnement, communication et médias, le professeur Raphaël Marie Masoki Atamba, les journalistes Thierry Fassin et la Béthrique Aboulé, ainsi que Charlie Kayumba, coordonnateur provincial de CDH avant la boucle du professeur Bessolé. Questions et réponses que le ministre provincial d'éducation et de médias proposent de de la journée dans une année de fête. J'invite toute la pour la portion de la dans les outils. Retour sur Fonte et les épreuves hors session des années 2024. Créée en 1990, l'école primaire catholique Epe Kailo avec une capacité de 70 élèves était dans les oubliettes. Cinq territoires. Aujourd'hui, cette école conventionnée catholique vient bénéficier des infrastructures modernes au standard international, notamment une latrine, un bureau administratif et des salles de classe. Des travaux réalisés sous la supervision du PNUD, partenaire privilégié de la RDC, cette construction moderne dans un large développement et consécutive au grand de l'exécutif congolais de doter des coins inaccessibles de l'ancien pays. C'est donc un ouvrement pour le personnel enseignant, les enfants de l'école de Kaïdo et la population du territoire de Kaïdo. Salé Soumarcel a exprimé sa gratitude au gouvernement congolais et au PNUD. Cette année-ci, nous allons quand même toutes les 14 classes avant, puisque les autres sont à étudier dans les anciens bâtiments. Joie partagée par le Mumbila, François de la 6e année, en recevant nouveaux bâtiments. Signaler que la cérémonie officielle a été organisée sous l'œil vigilant de l'administrateur du territoire de Kaïlo, des membres de la société civile. La mise d'une école à Kaïlo, province du Mama, dans le cadre de
territoire, la vie nationale, un reportage qui nous a été posé par notre écouteur, Mamita Bang. Près de 394 élèves de la formation professionnelle des métiers du Matanga ont débuté en 2024 l'examen national en session de fin d'études professionnelles. C'est le provincial de l'éducation Chantal Kalea qui annonce officiellement ses épreuves à partir de l'Institut Kitero de la GKN Lubumbashi, épreuves ouvertes avec la rédaction. Aux élèves, Chantal Kalea a transmis les encouragements et le soutien à Jacques Kablakaï avant d'indiquer la formation professionnelle qui est un outil qui permet de mettre fin au marge de la jeunesse dans la vision du chef de l'État Félix Antoine qui met accent particulier sur la création d'emplois et la promotion de la classe moyenne et congolaise. Je vous encourage à persévérer, ne vous découragez pas, vous avez le métier en bonne chance. Sur ce, je lance l'examen de la session de la formation professionnelle. Il s'en prend à la distribution des nos élèves par la ministre et le directeur provincial de la formation professionnelle du Haut-Katanga, Paulina Kiloro. Le lancement officiel de l'examen national de la formation professionnelle a eu également lieu dans d'autres parties de l'Institut du Haut-Katanga, c'est le cas à Kipushi, où le go a été donné au lycée technique et professeur Binti de la GKMIN par la directeur du territoire Gons Kapalo. Dans la fête catholique d'ascension du Christ, c'était le dimanche dernier, une fête chrétienne qui a coïncidé avec les 35 ans. C'est-à-dire des moments pendant lesquels l'évêque métropolitain de Kinshasa et les fidèles catholiques au service. Tout dirige et non, on vous dit ça et Jean-Louis. Double célébration en la paroisse Saint-Albert le Grand le dimanche 12 mai. L'Ascension du Seigneur est le 35e anniversaire de cette église paroissiale. L'évangile de ce jour est tiré du livre Saint-Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Le président de l'Eucharistie, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Friolin Cardinal Ambongo Bessou, a convié les fidèles à être témoins de Jésus-Christ et son Église. Frères et sœurs, dans le Seigneur, conformément à la du grand Saint-Esprit de la passion de votre paroisse, vous sommes de vivre une année une année de jubilé et d'expansion sainte, et une année sainte dans la tradition du rite est essentiellement une année de gouvernement, une année de réconciliation, une année de recours. La construction de ses fidèles et de la curé François-Xavier Bico. Être mal ou le nom de saint patron de et ce à la volonté des mobilités populations des compagnons de la Kakala. Est mis en place SRUP, le groupe d'intercession et soutien spirituel du chef de l'État. Et ce, les réunions se tiennent dans différents poules. Samedi dernier, c'était au poule du Mouamba que ce groupe pasteur Kanyinda appelé les Misugo, Mobo congolais ou soutien spirituel au président de la République, tout pouvoir venant des
cette grande réunion. Ces rencontres se font régulières et connaîtront un pic au mois de juin prochain. Ces hommes de Dieu sont résolus d'accompagner par la prière le pouvoir d'État à Félix Antoine Tshisekedi. C'est la fin de ce journal matinal. Dans l'entraînement, les infos comptent sur nos antennes et MENA revient à 13h30 pour la suite de l'actualité en agenda. Au revoir.